Bonjour et bienvenue dans cette émission entièrement consacrée au CRAC, le Centre Régional des Arts du Cirque situé à Lomme. Au sommaire de ce premier numéro, nous passerons en revue les professionnels et amateurs qui ont choisi de s'investir dans différentes disciplines du cirque. Nous aurons également le plaisir de conclure cette édition avec la scène ouverte des étudiants qui se sont produits devant un public toujours plus nombreux. Mais je vous propose tout de suite de retrouver Léa et Ulysse, étudiants du CRAC, dans leur quotidien. Je m'appelle Léa Passa, je suis en troisième année à l'école de cirque de Lomme. Et avant ma prépa, j'étais à la fac, donc je ne suis pas née dans une famille de circassiens. Je m'appelle Ulysse Picard, j'ai 21 ans, je suis jongleur massu. J'ai été autodidacte avant d'entrer ici, j'ai jonglé pendant 6 ans. À quel moment j'ai décidé d'en faire mon métier? Je pense que c'est en rentrant dans cette école. Donc voilà, là ça fait 5-6 ans que je fais du cirque et 3 ans que j'en fais vraiment intensivement dans cette école. Nos semaines sont organisées du coup par l'école. On a des semaines types. On a nos cours habituels de danse classique, danse contemporaine, souplesse, équilibre, des temps de pratique autonome pour notre spécialité. Et après, on a des semaines un peu plus particulières où là, on appelle ça des semaines de stage technique, où on a du coup pendant toute la semaine notre spécialité. Le matin, c'est des matinées techniques où on a soit acrobatie, soit préparation physique à 8h15. Donc ça, on a ça jusqu'à 9h30, 10h. Et ensuite, on enchaîne avec 2h30, 3h de machinois. On fait de la technique pure, enfin sans artistique autour, vraiment que de la technique, 3h par jour. Du coup, on a chacun notre spécialité. Donc moi, je suis rentrée pour faire du machinois, donc je vais sortir en disant que je suis machiniste. Enfin, je fais du machinois. Et après, moi, dans mon numéro de sortie, je voulais montrer aussi que j'aime bien d'autres choses, j'aime bien la musique, j'aime bien taper sur des trucs, tout ça, faire des personnages un peu décalés. C'est aussi grâce au machinois que je vais montrer ça et que je vais développer un personnage. Là, je prépare pas de diplôme en particulier parce qu'on est en classe préparatoire et donc c'est pas une formation qui est diplômante. Moi, je prépare juste l'entrée en école supérieure maintenant. Le Lido, Fratellini. Je vais être prise dans une création sur Lille. Après, en sortant d'école, je vais essayer de jouer mon numéro de sortie le plus possible. Et après, j'ai aussi des projets avec d'autres gens pour tourner l'été ou pour tourner peut-être dans des scolaires. Mais voilà, il faut toujours avoir un peu plein de trucs pour assurer l'année prochaine. Le cirque nécessite effort et discipline pour la voie professionnelle, mais c'est aussi un plaisir que petits et grands ont choisi comme activité de loisir. C'est l'objet de notre second reportage. Je m'appelle Valentin Bécasse, j'ai 27 ans. Je travaille à l'école de cirque de Lomme en tant qu'initiateur aux arts du cirque depuis 2014. J'ai passé le BIAC, donc qui est le brevet d'initiateur aux arts du cirque, qui est un diplôme délivré par la Fédération française des écoles de cirque. Alors, le public amateur, il vient chercher du plaisir. De l'amusement. Les adultes, ils cherchent beaucoup des rencontres, ils cherchent une activité sportive, physique. Les enfants, les très jeunes enfants, ne sont pas forcément ceux qui demandent à faire du cirque, c'est les parents qui les amènent ici pour développer la motricité, pour développer du coup la sociabilité de l'enfant et essayer de développer l'enfant dans tout ce qu'on peut faire au cirque. Alors, on essaye d'écouter tous les enfants, adolescents et adultes qu'on a et de répondre à leurs besoins. Il y en a qui vont venir pour travailler physiquement, il y en a d'autres qui vont venir pour juste du plaisir, pour s'amuser. Et du coup, on doit être là pour répondre à tous les besoins. Alors, le public senior vient chercher essentiellement du plaisir, de l'amusement,
Et puis travailler aussi quand même l'équilibre, la motricité, toutes les techniques, mais essentiellement pour s'amuser et être ensemble. Je viens chercher dans ce cours de cirque, en fait, je viens retrouver mon âme d'enfant et puis le plaisir de faire des choses que j'ai jamais eu l'occasion de faire quand j'étais jeune. Ben, c'est dans l'esprit, disons, de faire de la culture physique, puis en même temps de mêler, disons, avec d'autres personnes, et puis ça fait quelque chose de convivial, malgré tout. Est-ce qu'il faut une condition particulière? Il faut s'écouter et se respecter, et éviter d'aller au-delà. On n'est pas là pour faire de la performance, on est juste là pour s'amuser. Ça me plaît de part les progrès qui sont très lents, mais n'empêche, il y en a quand même. Hein, et de savoir que, avec mon âge, malgré tout, ben, j'arrive à faire pas mal de choses hein, qui, quand des personnes, ne feraient plus. Voilà. Alors, on travaille autour de 5 grandes disciplines. La jonglerie, l'équilibre sur objet. Ensuite, on a les disciplines aériennes, les disciplines acrobatiques. Et ensuite, on travaille autour d'une discipline qu'on appelle l'expression, qui comprend le jeu d'acteur, le clown, la façon de créer la créativité, donc comment on crée un spectacle. L'idée, c'est qu'à la fin d'année, on crée des spectacles. Et ces spectacles sont inclus dans un festival. Et toute l'année, on a un thème. Donc cette année, le thème, c'est la musique. Et on essaye de faire travailler nos élèves autour de cette thématique. Je vous le disais dans notre sommaire, les élèves du Centre Régional des Arts du Cirque se familiarisent avec la scène dans le cadre de Pistes Ouvertes, qui sont des rendez-vous durant lesquels amateurs et professionnels se produisent devant un public. Je vous propose de visionner quelques morceaux choisis. Et quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition sur le dressage. Thank you.
dans la bouche d'un grand chien. Nous sommes dans la bouche d'un grand chien.